Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Donc, Tom Clancy, Ghost Recon Wildlands, je précise quand même parce que bon, hein. Donc, nous avions fait absolument tout ce qu'il fallait faire dans cette région, pardon. Et donc, nous avions une quête à réaliser ici, précisément. Je pense donc que nous allons nous TP juste sur la côte à côté. On va prendre un bateau. Et on va y aller en douceur, chers amis. On va commencer tranquillement. Ou alors... Non, j'ai pas... Quoique... Il y a toujours un hélico. Oui, mais on peut pas y aller sur celle-là, d'accord. Il n'y a pas l'air d'y avoir l'hélico dessus. Donc, tant pis. Par contre, quand je mets un point sur quelque chose... Voilà, merci. C'est son assistant qui gère le centre au jour le jour. En la battant, on forcera la main de Karzita. Putain. Je crois qu'il voulait qu'il fallait qu'on la batte, qu'on tape la fille, quoi. Oh, le stress qu'il y a eu dans ma tête à un moment, là. Bon, y'a personne. Y'a pas de ceinture, je crois. Hein. Sur ce genre de Zodiac, y'a pas de ceinture, normalement. Je sais pas, cela dit. Alors, par où est-ce qu'on va pouvoir monter? Par là? Oh! Un petit lagon. Oh! Oh! Génial! Juste ce qu'il me fallait. Par contre, si je pouvais me garer comme il faut, ce serait bien. Voilà, on est bon. Alors maintenant, t'as plutôt intérêt à sortir par le bon endroit. Oh putain, il le fait en plus. Ok, c'est cool. J'adore. Ça, j'adore. Vous voyez, chers amis, c'est le genre de choses que je surkiffe. Quand le jeu est intelligent. Quand l'intelligence artificielle n'est pas qu'artificielle. Bah, je me doute bien qu'on a des ennemis sur zone. D'ailleurs, je vais peut-être aller passer un petit coup de drone dessus. Oh là! Mais qu'est-ce que tu vous foutez dans le coin, les mecs? Bizarre. Bon, de toute façon, ça peut aller très très vite. Et je pense que ça va aller très très vite. Ok. C'est bon, je l'ai en vue, en visuel, perso. Hop. Voilà. Ça a chié de tous les côtés. Ce qui veut dire... Faites bien attention, il y a des ennemis dans le coin. Dans le bâtiment, sans doute. Allons voir. Ah, j'ai peut-être quelque chose, mais alors quoi, je ne sais pas. Personne ici. Il y en a un qui est en train de pisser, non? Je sais pas. Ah, mais c'est l'hélico qu'on a volé tout à l'heure en plus. Je crois, hein. Sans doute. Localiser l'assistant. Faisable. T'inquiète. Sicario en visuel, il a un PM. Juste à côté de la pile de pneus. T'inquiète. Alors compte tenu de l'animation qu'il y a dans le coin à gauche là, je vais considérer que c'est par là. Donc je vais me caler ici. Ok. Là-bas près de la décharge. Ça commence à faire beaucoup dans le coin là. Est-ce que je peux faire une petite brochette? Non. Je rejoins la position. Cible marquée. Je clompe ces fils de pute, c'est bon, je l'ai eu. S'excite dans leur coin, on dirait. C'est lui qui m'a vu. Ah non, c'est l'autre qui m'a vu.
Waouh, la pré... Oh la vache, ils viennent d'abattre des otages. Abattre l'assistant. Ah, fallait l'abattre. Ah, je croyais que... Genre, non, je veux mourir. S'il vous plaît, je veux mourir. Non, est-ce que je peux mourir, s'il vous plaît? Est-ce que je peux mourir? J'ai besoin de mourir, s'il vous plaît, je... Non, c'est bon, il est encore là. D'accord, ok, cool. Oui, je sais, je sors pas le fusil. Mais c'est très très bien avec un pistolet aussi, hein. Ça passe merveilleusement bien. Parfois, un pistolet, c'est amplement suffisant, hein. Il y en a un qui me tire dessus, mais je sais pas d'où. Serais-tu dans cette maison? Oh! Ok, je l'ai eu. Bon, bah finalement, eh, ça va, hein, tout se passe bien. Oh, poignée, bonjour! Oh, je peux pas. Tenez-vous prêt. L'assistant de Carzita devrait pas tarder. On le descend, on fait sa propre. Comment ça, il devrait pas tarder? Je voulais voir s'il finirait par abattre son pote. Apparemment non. C'est bon, tout le monde va bien. Tiens pour fuera. Ustedes ganan. Alors, peut-être qu'on a quelque chose de sympa à faire dans le coin. Peut-être qu'on a quelque chose de sympa à faire dans le coin, je sais pas. Allez, vas-y, tire sur ton pote, t'as raison. Vas-y. Oh. Ok. Tiens pour fuera. Ustedes ganan. Oh. Et vous finissez par l'abattre votre pote ou pas? Bon bah tant pis, c'est moi qui le fais. Hein. Bon bah je croyais qu'il fallait que... Ah, non, c'est vrai qu'elle avait dit de le tuer, c'est vrai, j'avais oublié. D'accord. C'est la fête tous les soirs. C'est justement ce que j'avais en tête. Ça me dérange pas. Ça fait longtemps que j'ai pas participé à une fête sympa. Minigun, maison de bûche, domicile d'un membre éminent du cartel. What? Mais ça semble intéressant, ça. Et c'est là qu'il faut qu'on aille. Genre, sérieusement. Localiser Carzita. Dac, pas de soucis. Pas de soucis. Je vais juste prendre l'hélico si ça te dérange pas. Quoique, la dernière fois, ils ont été assez rapides. On a été assez rapidement repérés, je crois. Tant pis, on lance une attaque totale. Je suis sûr qu'avant il dit baisse ta culotte. On va balancer l'attaque totale, chers amis. On va pas s'emmerder. C'était ici, à droite. Vous savez, c'est l'endroit où il y a une foule d'hélicos tout en haut du truc. On a déjà attaqué l'endroit une fois. Pour récupérer sans doute quelque chose. Mais alors quoi, je m'en rappelle plus. Donc ça devrait être assez sympa à faire. Alors, attention, attention. On devrait commencer à être repéré. Ou alors on infiltre. Il a de la suite dans les idées. Comment ça? On a foutu un wide ouf dans son casino. C'est tout juste si on n'a pas mis le feu et salé la terre. N'importe qui d'autre aurait pris ses clics et ses claques. Et qu'est-ce qu'il fait cet enfoiré? Il fait la teuf. Il joue le tout pour le tout. Il doit rassurer à tout prix. Sans quoi, ses VIP déserteront définitivement à Guaverde. Et ça... C'est de grimper encore, hein. Et pour sa santé, s'il arrive pas à rectifier le tir, il aura des comptes à rendre à El Sueño. Oh, joli, le petit coup de... Hop. Voilà, nous sommes à peu près 700 mètres d'altitude. On devrait pouvoir y aller. C'est parti. Ah, j'ai pas peur. N'ayons pas peur de faire peur. Et ça, c'est pas tout le monde qui sait le faire. Ok, on sonde discrètement la foule pour Carzita et là on passe à l'action, compris? C'était génial.
C'était absolument génial. Alors, je vais quand même me planquer dans un buisson. Sicario en vue, avec un PM, devant l'entrée du bâtiment. Balancé. J'en vois un autre. Ceci ? Putain, il y en avait un juste là, en fait. Il nous a pas vu, le mec, il est bigleux de la mort, quoi. Wow, plus de portée. Non ! Une batterie fixe, d'accord, c'est comme ça qu'il appelle ça. Là, cible numéro 5. Bon, y a pas grand monde, j'ai l'impression. Hein. Une batterie fixe. Là, c'est la grosse stuff, avec toutes les filles en chaleur, je m'en rappelle la dernière fois. Là, dans le resto. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Ok, donc j'en ai loupé encore. Hein. Là, voilà. Une cible avec des pistolets mitrailleurs. 9 et 1 qui font 10. Ok. Donc ça fait quand même un petit paquet de monde, je veux pas dire, mais là... Alors c'est à peine si le machin se déplace comme il faut. Et je vois pas... Où est l'autre? Ah la vache, il sort pas de la portée quoi, c'est violent. Ok, il m'en reste un à choper qui est dans le bâtiment ici, ou je sais pas trop quoi. J'ai noté voilà. Karzita en visuel. Cool. Ne tuez pas Karzita, il nous le faut vivant pour lui faire cracher ce qu'il sait. On est en position. Recule avant de te faire repérer. J'ai aligné la cible. Personne ne nous a vu. On peut descendre par là. Personne ne nous voit de toute façon. Je m'en doutais. Il a décalé énormément sur le côté d'un seul coup sur un pas de côté, vous avez remarqué. Et du coup j'ai pas su le ramener. Merde. Alors du coup nos potes se téléportent, ok. Ok, on est bon. Je pensais tirer au bout du ponton. En plein dedans. Ok, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Faut que je recule suffisamment pour pas... Ah, c'est ce que j'avais peur, voilà. C'est bon, je le vois. Ennemi à terre. À terre, tu vas te faire griller. Mais non. Tout va bien. Tout va parfaitement bien.
Ah, je peux pas grimper par là? Oh, je suis déçu. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais elle me coinçait ce con. Regarde dans la bonne direction. Question, est-ce que ça marche? Ça marche pas. J'arrive pas à croire que ça marche pas, c'est que des feuilles. C'est que des feuilles, chers amis, hein. Voilà. Je l'ai eu. T'inquiète. J'en ai eu un. T'inquiète. Hop, voilà. Les mecs, ils sont super quand même, hein, en termes d'IA. Non, moi je vois rien. Putain, il a les yeux grands ouverts, le mec, hein, avec son hélico. Heureusement, j'ai une belle planque. Est-ce qu'il faut qu'on le bute ou... Parce que j'ai pile ce qu'il faut, hein, pour le buter, s'il n'y a pas de soucis, hein. Je vais là, je prends ça. Chaque fois je me fais eu. Hop, je prends ceci, et normalement ça suffit. Un hélico, touche à terre. Voilà. On a shooté leur hélico. Attends, on va aller voir ce trou du cul. Il est pas là. Putain, il est en bas en fait. Où est-ce que... Désolé. Écoute, je pouvais pas faire autrement là pour le coup. Bon, qu'est-ce qu'on a comme autre gun? Ah non, c'est vrai, on a pas d'autre pistolet. Ça c'est dommage. Fusil d'assaut, bah écoute, on va reprendre le G36C des familles, hein, qui marche très très bien jusque là. Que j'ai critiqué ouvertement la dernière fois. Bonjour. Voir tes mains, bouge pas. Hey, tu calmes, je bouge pas là. Comment ça va, Karzita? Oh, sans doute. Est-ce que tu as déjà été interrogé dans le haut? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux que ça t'arrive? Ah, je peux pas. Bon, ben on va le faire là, hein, tant pis. Hein. Ah, tout ça, c'est des conneries. Je veux parler à mon avocat. Mais il n'y a pas de question d'avocat. Tu te crois où? Tu t'es pas fait choper pour voler un avocat, il te servirait qu'à signer ton testament. Bon, on se calme. On peut s'arranger. Combien vous voulez? Ah, c'est pas de l'argent. Je peux vous trouver ça, hein, facile. Vous savez qui est mon père? Le fric, j'en ai rien à foutre, Karzita. Je bosse pour le gouvernement US. On claque des milliards rien qu'en rase d'oie. On est tous pétés de thunes. Qu'est-ce que vous voulez? Des conneries. La liste de tous les clients qui ont fréquenté ton petit casino.
J'ai pas ça, moi, je vous jure que non. Ah bon, ça va, c'est pas moi qui vous l'ai dit, mais les données clients sont stockées sur un serveur, ok? Allez, voilà, maintenant tu es sous l'eau, en train de te noyer. Et pendant ce temps-là, j'ai un copain qui fait un petit... qui prend son bain. Bonjour madame, comment allez-vous? Est-ce que vous aussi vous êtes extrêmement chaude? Oui, effectivement. Là, on est tous extrêmement chauds. Wouah! C'est bon, on a réussi notre coup. Ces VIP reviendront pas de sitôt. En prime, Karzita a craché le morceau pour le listing. On s'occupe du serveur maintenant. Ok, on finit et on remballe. Bowman, terminé. Ok. Bon, vu qu'on est sur la dernière mission de... on en est où dans l'épisode normalement? La dernière mission de la région. Il nous reste normalement une dizaine de minutes. On va essayer de la faire. Et on va la finir, cette région. Alors j'aimerais juste rejoindre les hélicos, mais je ne sais pas du tout comment. Ok, je vois un petit chemin de cailloux là, qui passe par là. Je me dis que si je monte, je suis bien arrivé. Vieille chanson, hein, très très vieille chanson. Enfin, chanson, comptine. Le petit pont de bois. Lequel on prend? Celui-là. Ok. Donc, en termes d'équipement, on a tout... Voilà, c'était les points de compétence que je voulais voir. Visée stable, j'ai pas le dernier niveau. Pourquoi? Parce qu'il faut 5000 en carburant. D'accord. Ça met dans l'ambiance. Et pourquoi la portée, j'ai pas? Parce qu'il faut 3 points. D'accord. Bon, c'est là qu'on va. Localiser le serveur. J'ai appris l'existence d'un serveur contenant une liste de VIP qui ont fréquenté l'établissement de Karzita. Piratez-le et filez-moi cette liste. Oui, madame, bien madame, quand vous voulez, madame. Hop, on y va et on monte si possible en même temps. Parce que là, va forcément y avoir des lance-missiles, à mon avis. Ah, mais ça aussi, j'ai déjà attaqué. C'est nul. Bouh. Oh bah je vais me... Oula, je sais exactement ce que je vais faire. Je vais me parachuter juste sur le bâtiment. Genre Mars ou encore le fond de la fosse des Mariannes. Je me fais pas de soucis pour Karzita. Les gens comme lui ont le chic pour survivre. Il va sûrement disparaître pour refaire surface d'ici un an ou deux à la tête d'un hôtel sur la côte d'Azur. Je veille sur les ivrognes, les fous. Et sur les sales fils de pute nommés Karzita. Là, je vais pas réussir à me poser. Wow, j'ai pas réussi. Vraiment dommage. Bah par contre, il met une demi-heure à enlever son parachute. Boum, bitch. Bon, ça pue du cul quand même cette histoire. Sors ta tête, 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 sors ta tête. Putain de snipe. Allez. Arrêtez de lui tirer dessus, sinon je vais pas réussir à l'avoir. Attendez. Entre les deux plaques. Entre les deux plaques. Ah, ça me bousille la gorge, mais qu'est-ce que c'est bon. Le serveur avec le listing. Ah bon. Ah oui. Ça fait une cible de moins. Bon, je visais l'étage, mais c'est pas grave. On récupère cette liste de noms et on s'arrache. J'ai peut-être fait ça alors qu'il y avait un petit peu trop de monde autour. Alors par contre, du coup, le snipe, peut-être qu'on en a plus trop besoin. Pour le moment, en tout cas. Je vais prendre la mitrailleuse. Et avec la mitrailleuse, histoire qu'on change un petit peu, qu'on fasse tourner un petit peu, je vais prendre soit le super. Le super chantier ressemble à ça. Soit le SS... Ah ouais, ça c'est joli, ça. Voilà, et ça, est-ce que je peux peut-être l'améliorer? J'ai peut-être des nouvelles pièces pour ça, non? J'ai une lunette pour un fusil de sniper, ça peut être intéressant. Non, ça m'intéresse pas. Accessoires montés, protège rail et poignée verticale. Poignée verticale alors. Et en peinture, on va mettre un bon petit US Desert tricolore. Voilà, bien, bien laid. Établissez un périmètre, le temps qu'est-ce que... On attend. On est en train de se faire sniper. Quoi? Par quoi? Déjà, je m'occupe des trous du cul qui sont là-dedans parce que j'ai l'impression qu'ils sont encore nombreux. Wow! Et de 1! On en a battu un surtout. Hein.
Putain, il m'en a mis une belle, lui. Désolé. Mais je vais pas vous laisser faire. Putain. Encore des snipes ou quoi? Oh, je sais. Où est-ce qu'elle est? Wow. Mais qu'est-ce que... Y'a un mec juste derrière nous. Et les... J'ai deux potes dans la maison. Je vais quand même pas couvrir la porte. Voilà. Wow. Oh, un snipe. Il y a des panneaux lumineux. Bon, Ils arrivent. On fait quoi, chef? D'accord, je peux pas le shooter, lui, là-bas. Donc, si je ne peux pas... J'ai fait de la merde. Bien compris. Ça devrait être suffisant. Voilà. C'est qui me tire de là à droite là, de la gauche pardon. Ah putain, je suis pas assez grand, désolé. Waouh! J'en connais un qui s'amuse à faire des choses. Aïe! Mais tain, mais il est où? Mais merde! Je trouve que cette flèche, elle est pas du tout indicatrice d'où est-ce qu'elle tire. C'est fou! Je sais pas combien de fois j'ai fait le tour du truc en me disant: ah bah il est par là, en fait non, il était dans mon dos. Bon bah on y retourne, on rattaque. Oh non, c'est nul, je suis plus sur mon île avec le copter. Merde, crudy. Bon, bah on y va, on bourre. Hein. Y avait un bateau là, attendez. On va aller choper le bateau. Parce que bon, me faire le truc à la nage, ça va pas me plaire. Après, j'espère que c'est bien la dernière, parce que j'ai l'impression qu'il va y en avoir encore une derrière. Non, c'est pas passager que je veux être. Quand t'es le premier à rentrer dans un truc, c'est pas pour être passage. Ah, j'ai pas le droit. Ça y est, là j'ai le droit. Alors, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un volant? Oui, non, je ne sais pas. Je ne pense pas. Faudrait peut-être que je débloque les mines, je sais pas. I'm feeling like a little kid. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Désolé, j'ai du Taron Egerton, enfin en tout cas la version de Taron Egerton dans la tête. Bon, là je suis pas là pour faire dans la gnognotte, hein, soyons honnêtes. C'est la Santa Blanca. Deux sicarios sans visuel. Parapapapapap. Bah oui, y'a du monde dedans. Non, 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 on y va après tout. On est là pour s'éclater. Hein. Crac. Désolé. C'est con, hein, ça fait mal quand ça arrive. Hein. On va se mettre à l'abri quand même. Putain, il a dit quoi? Pilonnez-leur la quoi ou quoi? Donc restons en mouvement. Désolé.
Qu'est-ce que c'était? Un bruit de mortier? Marcus, t'as 100 balles. Quelque chose qui vient de me tirer, mais je sais pas d'où. Don't you know I'm still standing better than I've ever did. Ouais, ouais, je m'en occupe, oh merde. J'ai demandé un tir d'artillerie aux rebelles. Voilà. What? Comment je le fais, ça marche pas ça? Elle était morte. Voilà, ça prendra. Feeling like a little kid. I'm still standing better than I've ever did. Le mec il est en plein champ de bataille, mais non, non, ça va, tout va bien, il me tape. Hein. Je chante. Feeling like a true survivor. Wow, 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 wow. Merci pour la couverture humaine, hein, c'est toujours sympa de... Alors, je prends ça. En fait, j'ai l'impression que mon pompe me sert pas. Du coup, je vais reprendre un snipe à la place du pompe. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de dégommer les snipers qui tirent sur mes alliés. Mais j'ai quand même besoin... de ça. Oh merde. D'accord, je viens de comprendre. Putain, il y a l'autre là-bas. Tir de mortier en approche. On a un blessé. Oh. Et pourquoi vous allez aussi loin les mecs aussi? Voilà. Wow. Chier, on a un sniper. Eh bah je m'en occupe hein, merde. Y'en a un à l'intérieur ou quoi là? J'ai l'impression. J'ai appelé des rebelles qui vont nous appuyer. On arrive dans quelques instants. Voilà. Ça en fait un. Où est le deuxième? Y'a pas de deuxième? Voilà. Ce qui est génial, c'est que la nuit tombe en plus. Allez, vas-y. Par contre, la fumée me planque tout. La fumée des hélicos que j'ai abattus me planque absolument tout. Bon bah c'est bon, y'a plus personne dans le coin. Ah bah c'est la fête. Non, me dis pas que je suis engagé, y'a plus personne. Engagez-vous, engagez-vous, qui disait. Ben oui. Établissez un périmètre le temps qu'on télécharge. Wow. Eh, t'as déjà entendu parler de la mort qui vient du ciel? Oh merde. Qui vient de la merde? I'm looking like a true survivor. Attention les yeux.
Je l'ai eu. Non? Ouais, je l'ai eu. Désolé. Il y en a un chez nous. Non? Non, c'est bon. Boum, la tête. Alouette. Récupérer la liste. Ok, c'est parti. On prend l'hélico pour se barrer, chers amis, je pense, hein. Soyons honnêtes, hein. Téléchargement terminé. On bouge. J'ai même pas envie de savoir ce qu'il y a sur cette liste de clients. Ah, moi je serais intéressé. Qui ça? Exactement. Qui ça? Exactement. Il va leur falloir deux années pour rattraper le coup avec les clients. Ouh. Nouvelle lunette débloquée, lunette de soleil doré et l'amativo. Ok. Merci. On est au courant, mais merci. Il y a des super lunettes de soleil apparemment à récupérer, donc ça peut être intéressant. Modifier l'apparence. Accessoires, yeux. Lunettes de soleil doré. Il n'y a pas des lunettes. D'accord. Ah ouais, ils sont moches en fait. Moi, ce qu'il me faudrait comme lunette de soleil, ce serait plus ou moins celle-là ou celle-là. Et celle-là, faut la boutique, d'accord, pour la ça. Donc celle-là, je pourrais jamais les avoir. Alors ça, c'est vraiment naze. Hein. Autant le dire tout de suite, c'est vraiment naze de chez naze d'avoir la moitié du contenu qui soit marqué. Ah non, mais payé. C'est marqué payé, payé, payé. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, on va en profiter pour ce. Ah, je peux pas changer de fringue. Ah non, si c'est bon. La vêtement. Oh. On va se changer un petit peu. Voilà. Harnais molle, pourquoi pas. Ah non, pas le truc lourd. Non, non. Déjà que j'ai déjà du mal à me dire que je vais prendre un harnais. I'm feeling like a true survivor. Little kid. I'm still standing better than I've ever did. Ok, bon bah harnais alors. Un jean. Tout ce qu'il y a de plus classique. Sans le jean, sans les genouillères ou avec les genouillères? Sans les genouillères. Les bottes de randonnée, non, les baskets, je peux pas. Les Santiago, j'aimerais bien. La boutique, génial. C'est génial, la moitié du contenu que t'as dans le jeu n'est pas disponible, faut payer pour l'avoir. Bon bah écoutez. On va rester sur les chaussures de combat, hein. Accessoires. Si, accessoires. Micro casque. Là, il a qu'un écouteur. Ok. Sac à dos. Équipement standard. On va prendre un tout petit sac, ça serait peut-être pas plus mal. On va prendre le multicam noir toujours. Ok. Et au niveau de la casquette, j'ai pas envie de mettre une casquette de baseball, j'ai envie de mettre une casquette un peu plus stylée, un truc un peu plus sympa. Pas le bob, pas le truc. Ah, ça a été stylé. Casquette thermite. Ah ouais, mais je l'ai pas. Voilà, on met une casquette de baseball inversée, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Crac. Bon, bah voilà. Il est très très moche, ce personnage. C'est bon, on y va. C'est comme ça. Donc. Tout ce qui est fait à faire dans la région est terminé, normalement. Donc, on a un convoi alimentaire pour de la nourriture. Ici, c'est El Pulpo, niveau 3. Ici, c'est Okoro, niveau 2. Ici, c'est La Cruz, on sait pas quel niveau c'est. La Cruz, on sait pas quel niveau c'est d'ailleurs. Ouais, effectivement, c'est étrange. Niveau 3, niveau 4, niveau 4. On sait pas quel niveau c'est cet endroit. Il y a peut-être pas d'ennemis en fait, simplement. Niveau 3, Media Luna. Bon, là, niveau 5, donc c'est même pas la peine d'essayer d'y réfléchir. Niveau 4. Niveau 3, niveau 5, niveau 5. Je serais curieux d'aller voir quand même dans cette zone. Vu qu'on a un hélico.
vu qu'on a un hélico. On va parcourir ces 6 km ensemble, chers amis. On se laissera là pour cet épisode ensuite. Je regarde, on a 40 minutes quand même. Heureusement que j'ai pas beaucoup d'épisodes à tourner aujourd'hui, puisqu'en fait j'attends la sortie d'Orisa pour tourner mes épisodes d'Overwatch. J'attends Mass Effect arriver jeudi. Et peut-être que je vais tourner 2 Robocraft, ou ne serait-ce qu'un seul Robocraft pour de la constru. Oh putain, ça là va me péter à la gueule. Oh la vache. Oh bien, je crois qu'il s'est pété tout seul. Ok, bon, on est bon. Par principe, je coupe l'éclairage. Ce sera peut-être un poil plus discret. Alors, je suis curieux de savoir quel type de panorama on va avoir dans cette région. Surtout que j'ai pas l'impression qu'elle soit en fait hostile. Je crois qu'il n'y a pas d'hostilité dedans. Et en fait, on a juste des objets à récupérer. Donc, ça peut être sympa. Ça peut couper un petit peu le let's play, un petit peu. Parce qu'on peut voir que là, pour le coup, la série est un petit peu. Comment dire ? En question. Non, j'éclaire pas au sol, c'est dommage. Une province montagneuse tapissée d'une jungle épaisse. Oh, c'est sympa. Wow. Qu'est-ce que c'est? C'est des champs. Intéressant. J'aime. Ok, mais t'as pas de niveau à me dire. Ok. Ok, pourquoi pas. C'est intéressant comme région, hein. On peut voir qu'il y a énormément de vie pourtant. Donc c'est marrant qu'elle soit pas indiquée comme étant dangereuse. Ah, est-ce que ça veut dire qu'elle ne l'est pas? Peut-être que je me suis avancé trop vite en disant ça. En tout cas, elle a l'air assez grande, hein. Il y aura des grandes villes là-bas, regardez ça. C'est presque choquant. Ok. Bah écoutez, je vais aller nous poser ici. Précisément ici. Parce que c'est ici que ce sera chez nous, donc du coup... autant rentrer chez nous. Et on verra bien au fur et à mesure. Crac. Alors. Il y a 4 motos, c'est sympa. À croire qu'il savait que j'allais venir. Donc là, il va nous faire un petit speech. Normalement. Même pas. Je suis étonné. Normalement, il fait un petit speech en disant, voilà, je suis arrivé dans cette région. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la suite? Mine sonore, donc non, mine sonore non. Arme, on a quoi? J'ai pas le niveau pour certains trucs, ok. Matériel. On a accès aux flashbangs et aux lance-fusées. Ce qui ne m'intéresse pas plus que ça. Physique, régénération rapide, ça pourrait être intéressant, ça permettrait de gagner du temps. Niveau 17. Niveau 16, des réanimations leader né, je ne peux pas encore. Alors, je crois pas qu'elle soit fonctionnelle encore, vous voyez, il faut le niveau 16. Mais bon. Du coup, je partirai bien là-dessus. Vu qu'il faut qu'on ait un point dans tout. Crac, voilà, ça m'en fait déjà 2. Et on verra bien pour la suite. J'aurais bien mis des points là-dedans aussi, mais j'ai plus ce qu'il faut en termes de points de compétence, c'est dommage. Ok, bon, bah pas de texte ici alors. Bizarre. Et ça a pas l'air des masses violents comme région, n'empêche. Ok, eh ben écoutez, chers amis, du coup, nous on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir allé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yo!